Je sais pas qu'est-ce que ça va donner, hein? Alors bonjour et bienvenue à Disparate Studio. Aujourd'hui, on a le plus gros invité qu'on a jamais eu depuis le début de l'émission. La plus grosse invitée que t'as jamais eu. Je parlais pas de toi. Ah, bonne affaire. Il y a Guillaume le métis vierge qui est là, hein? Et malheureusement, il y a aussi... Christy qui est là, hein, qui prend la place de Guillaume sur le siège, donc qui peut pas venir s'asseoir, fait que, ben, on va faire avec toi! Tant mieux! Bon, c'est plate parce que j'ai pas de questions, par exemple. T'es là, pourquoi, mettons, le first? Ben, je suis là parce que j'ai gagné le bingo, moi, la semaine passée, puis c'est ça, Belle a coupé ma ligne, fait que là, je peux pas recevoir de téléphone, hein, fait que je suis venu ici pour attendre mon cash. Fait qu'aussitôt que j'ai mon cash, moi, je m'en vais, je laisse la place à Guillaume. OK. Fait que... Vous regardez toujours la télé communautaire de la Sud-Ouest, Rive, Montérive. Ah, c'est ça, vous êtes pauvres. On n'a pas d'argent. Ah, parfait. Ben, check, je vais improviser des questions, hein? Il y a plusieurs raisons d'arrêter de fumer. Laquelle est la vôtre? Je veux pas arrêter de fumer. Mais non, je veux pas arrêter de fumer. Moi, 10 ans de clope pour avoir le grain de voix à Marine Orsini, sera plate de gaucher ça. En plus, on le connaît, là, le cercle vicieux. T'arrêtes de fumer, après ça, t'arrêtes de boire, après ça, tu fais des Iron Man. Non, merci! Ça serait niaiseux. Ça serait niaiseux, ouais. Essayer de se mettre en forme. J'ai une autre question. J'aimerais savoir, c'est-tu toi le plus vieux de tes frères dans ta famille? T'as-tu... Je suis une femme. Non, mais t'as-tu d'autres frères? T'as-tu... Je t'en fais un nick, mais c'est correct, je comprends que tu te mélanges. C'est à cause de mes pipes. Ouais. Sinon, tu fais quoi dans la vie, mettons? T'as-tu un travail... Je suis le BS. Ah, OK. Puis voudrais-tu genre gravir les échelons là, de ça pour à un moment donné devenir cadre ou peut-être propriétaire du BS? T'es niaiseux, toi. Oui, un peu, c'est vrai. Mais sinon, c'est quoi tes aspirations, mettons? Tu sais, quand tu vas devenir grande, qu'est-ce que t'aimerais faire? J'aimerais bien ça, faire de la télé. T'es sérieuse? Ouais. Moi, j'adorerais ça. OK. Là, ça donne quand même assez bien, parce que t'es dans un studio de télé, hein? Ouais. T'as-tu déjà essayé de faire de la télé auparavant? Hein? Ah ouais, vraiment. Moi, ça fait au moins 50 lettres là, que j'envoie à une IT9, là, ben pour ouais. Qu'ils me prennent à Lietteville. Ben, je sais bien pas quel crime il faut commettre pour rentrer là. Là mais... En tout cas, moi, si j'étais à Lietteville, je me pognerais one-on-one avec Boomba. Mais ça. Hey, Christy. Écoute-moi bien. On a un studio télé. Ouais. Toujours rêvé de faire de la télé, toi? Ouais. On va aller un sketch, puis après ça, on va réaliser ton rêve. Hey, c'est-tu vrai? Ouais. Il est où le sketch? Donc, pour remplir la demande d'assurance vie, veuillez vous asseoir et répondre aux questions qui vous sont demandées. OK, cool. Bonne chance. Thanks. Quel est votre nom? Victor Hull. Quel est votre prénom? Ah, fuck. Victor. Votre nom complet est donc... Ah, fuck. Victor Hull. Est-ce exact? Non, c'est non. Veuillez répéter votre nom. Hull. Veuillez répéter votre prénom. Victor. Votre nom complet est donc Victor Hull. Est-ce exact? Yep. Première question. Quel est votre emploi? Je vends du weed. Quel diplôme avez-vous utilisé pour obtenir votre emploi? Ah ben, la semaine passée, j'ai déchiré un bout de mon diplôme d'études secondaires pour me faire un filtre. Je sais pas si c'est ça. En cas de décès, est-ce que votre emploi compte dédommager vos proches pour qu'ils retrouvent le sourire? Oh, parce que oui. Ce que j'ai laissé dans le congélateur devrait sourire pendant 3-4 mois facile, peu importe ce qui m'arrive. Avez-vous des investissements à risque potentiel? Ben, j'ai acheté un café chez Tim tantôt, il est pas déroulé, mais je risque de gagner un café ou un bang. Avez-vous des biens de valeur que vous voudriez léguer? Non, j'avais un vase, mais je l'ai échappé. Ça, c'est bien de valeur. Avez-vous un moyen de transport que vous voudriez léguer? Ah, mes souliers Adidas, là, j'ai... Quelle somme choisiriez-vous de partager avec votre famille? Ah, celle que j'ai faite cet après-midi. Un bon somme. Me réveille, t'es en forme, t'sais. Avez-vous des possessions immobilières? Une cabane à moineaux. Avez-vous un animal de compagnie? Un oiseau dans la cabane à moineaux, mais il est mort. À combien estimeriez-vous vos revenus immobiliers? Ah, ben, quand il est mort, j'ai checké dans la cabane, il y avait 3-4 œufs. Avez-vous placé vos revenus immobiliers? Si oui, à quel endroit? En dessous d'une lampe sur une éponge. Question sur votre santé.
Ah, ça va bien, là. On continue. Avez-vous des antécédents dans votre famille? Yep, ma grand-mère avait un dentier, fait qu'avant de se coucher, il fallait tout le temps hanter ses dents puis les mettre dans un verre d'eau. Prenez-vous des médicaments? Bon, je prenais des vitamines, mais là, je prends juste du speed. Consommez-vous de la drogue? L'héroïne, ça compte-tu? Consommez-vous de l'alcool? Non, je bois juste la Coors Light. Faites-vous du sport? Ouais, comme tout le monde. On a 2-3 fois semaine pendant une semaine, juste après le jour de l'an. Êtes-vous vacciné? L'héroïne, ça compte-tu? Quel est votre poids? Ça dépend. Là. Ça varie entre 140 puis 63, tout dépendant si je me pèse en livre ou en kilo. Suivez-vous le guide alimentaire canadien? Pas besoin de le suivre, je sais exactement où ce qui est au magasin. Je l'ai pas acheté. Pour officialiser votre demande, choisissez la méthode du décès. Hein? Accident automobile, accident d'avion, non, incendie. Non, c'est quoi ça? Je vais pas mourir. Là. Moi aussi, j'aurais choisi une autre compagnie. Là. C'est quoi cette idée? Avez-vous dit AVC? Non, j'ai dit avoir su. Ben voyons! Donc, pour remplir la demande d'assurance vie, veuillez vous asseoir et répondre aux questions qui vous sont demandées. Ok, c'est bon. Bonne chance. Quel est votre nom? Rogue. Alors, on est de retour du sketch. Christy, on va te donner ton 2 minutes de gloire, ok? Je te donne une chronique. Tu peux faire ce que tu veux, ok? C'est quoi le sujet que tu as choisi d'aborder? Bien, c'est sûr que moi, Joe, j'aimerais ça vous parler de ma force, OK? Puis moi, ma force, c'est mon sideline, dans le fond. Excellent. Moi, l'affaire, c'est les tout seuls, je les appelle. Puis là, tu sais, je leur bosse le vide un peu. Puis là, il est quelle heure? Je sais pas, à peu près 3 heures. Christ. C'est l'heure à Marcel. Excuse-moi, mon téléphone n'a pas la ligne. Là. Tu me passerais-tu le téléphone de la station? Parce que ça, c'est un beau 40$. Je peux pas me permettre de passer à côté de ça. En même temps, ça va vous donner un beau exemple de... Qu'est-ce que je fais? Marcel? Excuse-moi. Ouais, Marcel? C'est moi, Rusty. Ouais? Qu'est-ce que tu portes, là? Oh, ouais? Quelle couleur? Bleu? Miam! Miam, 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 tes pantalons sont quelle couleur? Noir. Ça me parle. Hein? Des mots cochons? Ah, ben ouais, je peux faire ça. Bacon. Crème sure. Kraft Dinner saucisse. Hein? Ah oui, c'est ça, toute ta saucisse. Toute ta saucisse. Mais oui. Miam! Ah ouais, plus fort! Miam! Tu veux, tu... Ouais. Hey, excuse-moi, Marcel, mais là, c'est parce que je suis en train de tourner un Tide Pods, là. Ouais, c'est ça, va falloir que je te laisse. Ah, c'est ça! Tout dans ma bouche, mes beaux totons. OK, salut, Marcel. Un beau 40$. Wow! C'est ma force! Ouais! Et pour être forte, t'es forte, là! Wow! Ouais, on va voir un sketch. Ah, man, t'as tellement manqué de quoi, hier? Tant que ça! Y a-tu bien du monde? 50. Nick, t'es-tu là? Il était chaud, là. Chaud? Il est tout le temps chaud. Même dommage. Si j'aurais pu être là, là, je serais venu. Tu veux dire si j'avais? Venu au bureau de faute et comportement. Hein? Hey, t'as pas le wow, qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce quoi? Venez-vous de m'enlever, là? Ah, oh, non. Nous, on est un nouvel organisme. On s'occupe de faire un peu la loi à cause des gens qui respectent pas les règles, là. Mais oui, il y a beaucoup de gens qui font des fautes de français, ils respectent plus l'environnement, c'est un peu n'importe quoi, là. OK, mais là, c'est une joke, ça? Comment vous avez fait pour m'amener ici? Bon, vous êtes téléporté. Vous êtes capable de téléporter le monde? Ben oui, tout le monde peut se téléporter, là. Ça fonctionne avec le Bluetooth des cellulaires. Anyway, là, je viens un peu de vous bardasser, là, c'est le premier avertissement. Il y en a 3, je vous conseille pas de vous rendre jusque-là. Il se passe quoi après? Bonne journée. Il se passe quoi après, toi? Bonne journée. T'étais où? Je sais pas. Je suis apparu dans un bureau pis je me suis fait sacrer une volée par un esti de malade.
Ah, ah pas encore toi, là! Oui, mais là, monsieur, un esti de malade, c'est pas gentil, ça, là. Non. Ça va être la deuxième conséquence, hein? Non, mais j'ai rien fait de mal! Ouais, je vous comprends, mais moi, j'ai pas le choix d'agir, monsieur. Mais là, regarde, il se passe quoi, là? Ben là, je sais pas pour la deuxième. Ah, tiens, celle-là, ça fait longtemps qu'on l'a faite. Mais, voilà. Hmm. Ouch. Mon bras! Mon bras! You! Ok. Le gars, monsieur, il m'a expliqué que si je faisais ou je fais, les deux se disent, une faute de français ou un sacre, j'allais aller au purgatoire. Okay. Je vais prendre ça tranquille, ici. C'est ici qu'il faut dire. Tu niaises! Ben oui, aujourd'hui j'ai enlevé un bras, ça faisait vraiment longtemps que je l'avais utilisé celui-là. C'est vraiment incroyable. Ah! Oh, je vais falloir que je te laisse, c'est le même que tantôt. Pas encore toi, là! Et trois fois dans la même journée! Ça va pas bien, ça, là! Non, regarde, là, c'est une blague, hein! Non, c'est pas une blague, on va aller voir ça. Oh non. Quoi? J'ai pas sauvegardé votre dossier. Non. Salut Sam! Ah oh non, pas vrai! J'avais hâte que tu commettes ta troisième erreur. Ah mais là, c'est pas juste, on peut me laisser une chance, là. Ça fait 4 mois en ligne que je suis l'employé du mois. Tu sais comment que c'est? 3 erreurs et oup! Une punition pour toi et une récompense pour moi! Oh. D'ailleurs, pourquoi ton bureau est plus petit que le mien? Parce qu'ici, y a personne qui peut voir ce qu'on fait. Oh. Je suis pogné ici? Ici? Fuck! Hey, Christy? Ouais? Si t'avais quelque chose entre les dents, là, je te dirais pas. Ah, voyons. Mmh. Je te l'enlèverais avec ma langue, par exemple. Si tu manges, sinon, toi, pour être belle dans la même? Ah, n'importe quoi, mais avec ben de la mayonnaise. Ah. Ah, ouais? Mmh. Toi, t'es-tu une voleuse? Non. Parce qu'on dirait que t'as volé ton linge à un itinérant. Ouais. Sais-tu ce que je ferais si j'étais tout seul avec toi sur une île déserte? Tu me gosserais un hamac? Non, je crèverais au bout de 2 jours. Pas bien débrouillard. Hey! Hein? Là, sais-tu ce que j'aime le plus chez toi? Non. Ta TV plasma pis ta porte qui se barre pas bien. Hey! Mais ça veut dire qu'au cœur du soleil, les températures peuvent atteindre jusqu'à 15 millions de degrés Celsius. Oh, pelle. Yep, ça brûle presque autant que ma fourche quand j'oublie de mettre ma petite crème. Hey! Quoi? Un nouveau monde, une nouvelle vie, nos deux cœurs battent au rythme de la prairie. Un nouveau monde, une nouvelle vie. Je n'attendais que toi, me voilà. Hey! Quoi? T'as-tu déjà fait l'amour dans un spa? Non. Toi? Moi non plus, mais une fois je me suis touché dans le pas creux, j'ai été expulsé de mon cours de natation. Jure-le. Je te le jure. Hey! Ça attend-tu qu'on joue à bouteille? Ah, ouais. Bonjour et bienvenue à Super Télé Bingo. Cette semaine, on a eu un peu moins de participants, il nous reste des feuilles. J'ai décidé de participer pour le fun avec vous, question de refaire mes dettes. Alors, c'est parti, on y va. La première boule, qu'est-ce qui va sortir? On le sait pas encore, hein? C'est juste ici, avant de commencer, je tiens à dire, cette semaine, on attend mon signal avant d'appeler. Parfait, on y va. On commence avec le B9. Le B9, juste ici. Le B9. Oh! Ça donne que je l'ai. Ça part bien. Parfait. À 2 places comme ça ici. 3 places même. On continue. On place le B9 juste ici. On y va. On a le G57. Le G57. C'est pas grave. Je l'ai pas. J'espère que vous non plus à la maison. Vous ne l'avez pas. Question, on soit égal.
Le G57, il va. Hop! Il va là! Parfait! On continue juste ici. On a le B2. Le B2. Le B2. Le B2. Ça donne que je l'ai aussi. On continue, on a du fun, les enfants vont pouvoir manger à Noël. On y va! Parfait! Le B2, juste ici. Le I-22. 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 I-20. Le I-22, c'est correct, on peut pas tous les avoir, hein? Comme... ça que ça fonctionne. On continue. M45. Ce serait le fun qu'on ait du fun. À un certain moment donné, hein? M45. Si vous l'avez à la maison, c'est le fun pour vous. C'est bien le fun pour vous. Le I... Le I-20! On l'a à 4 places! Ça va manger en fin de semaine! On en pige 2 de suite, parfait! M33, G50! Le I-20. J'ai trop de chance! On espère que ça continue, hein? On espère que ça continue. À la maison, n'oublie pas, on appelle seulement à mon signal. Si vous avez quelque chose, c'est pas tout de suite. À mon signal, N42, ça donne que je l'ai! C'est parti, on a du fun! OK, le N42, juste ici! Bam, bim, boum! Bam, bim, boum! Oh, 61! Oh, Pélaï, ça va y aller! Si, Pélaï, on va-tu gagner ça? On va-tu l'avoir? On va-tu l'avoir? Notre maison! Hein? L'hypothèque, faut qu'elle se paye! Le 61, ben oui! Ben oui, on l'a! Wouhou! À la maison, on oublie les gratuits. Ici, on les oublie pas. OK! Le I-28! Le I-28! Au 65. Bingo! Bingo! Bingo for who? Bingo for me! Bande de losers à la maison, peut-être! Vous pouvez appeler si vous avez une carte gagnante. Le signal est annoncé. Mais on a déjà un gagnant ici. Hein? Bibi à la maison. Parfait. Écoutez, ce n'est pas fini. On va pouvoir continuer peut-être tantôt. Peut-être avec quelqu'un d'autre. Parce qu'ici, on va aller s'amuser avec l'argent. Super télé, bingo. Oh, 65. On va s'en rappeler de celle-là. On va s'en rappeler. Bonne semaine. Ah ouais. C'est beau, c'est pas trop long. Alright. Mais non, en tout cas, j'ai pas fini. Ok. Poil blanc, on dirait. Les enfants, ouvrez grand vos oreilles. Oh. J'aimerais vous raconter l'histoire de la rencontre avec votre grand-mère. Oh, oui, oui! Ça restera pas là longtemps, non? C'était à l'automne 1926. Nous étions dans les premiers poils à apparaître sur le visage. Mais qu'est-ce que c'est? Oh non! Oh non! Oh! Moi, j'ai un petit poil incarné. Ça doit être assez paisible, être un petit poil incarné. Au secours, je peux pas respirer! Il y a comme une petite chenille dans ton cocon. Ah! Là, t'en juste d'éclore en beau papillon. Ah! Chaque année au Québec, des millions de barbes sont maltraitées ou rasées. Faites partie de la solution et laissez-la pousser librement.
Ce message est financé par la Société protectrice des barbes du Québec. Maintenant que je te connais un peu plus, j'avais pensé faire un petit segment pour que les gens à la maison apprennent à mieux te connaître aussi. Et ce segment-là, ça va s'appeler « Jeu en survol ». Fait que mettons que je te donne une game d'échecs comme ça qui est déjà commencée. Si moi j'ai les blancs puis toi t'as les noirs, ben, ça serait quoi ton prochain coup? Faire ça. Excuse-moi! Ah, peux-tu m'aider, s'il te plaît? Hey, ça finira jamais. Hé là là, là là, là là. Tu me fournisses, là! Ow! Oh shit! T'as ça un drone dans l'œil! Le truc, c'est de l'amorti. Hey, là, c'est beau, là, je sais comment ça marche. Si ça prend pas un DAP. Oh! Oh! Ah! Putain, ça. Ah, presque une deuxième fois. Mais qu'est-ce que tu... Il met du jus de citron sur mon bel bouquet! Il l'a volé! Bon, on va aller voir un sketch. Fait que c'est ça, le parc est pas trop loin. OK. Ah, j'y ai pas pensé, je pourrais pas rentrer. Pourquoi? Il y a pas de siège de bébé. Ça prend absolument ça? Oh oui, c'est super important. Tout objet, s'il y a un accident, là, ça peut prendre 7 fois son poids. Hein, comme ça couche? Hein? Ça dit qu'un bébé peut chier jusqu'à 7 fois son propre poids. Là, t'exagères, là. Mais c'est quand même proche de ça. Mais c'est sûr, j'embarque pas avec mon petit. OK, ben, j'ai une surprise pour toi. Suis-moi en arrière. Tadam! Ok, t'as acheté un siège? Ouais, ouais, un parrain, ça sert pas juste à mettre des têtes de cheval dans des lits, là. Ça fait des affaires de même aussi. T'écoutes trop de films. Ouais. Fait qu'est-ce que t'as là? Hein? C'est qui va faire un tour de valise? Non, non, c'est sûr que je mets pas mon fils là, là. Pourquoi pas? Un siège, faut le mettre à l'intérieur. Mais non, mais c'est irresponsable, là. Moi, j'ai ma top, là. C'est avec la fumée secondaire, c'est pas bon pour ses poumons. Eh ben, cave, t'as juste à éteindre ta top. Mais non, mais là, faire un tour de valise, c'est cool, là. T'en souviens, à Saint-Jean, t'en as fait un quand on revenait, il y a pas assez de place dans l'auto. Oui, puis j'ai été malade tout le long en venant chez nous, il y avait pas assez d'air. C'est fucking drôle, ça. Mais là, si l'air, c'est ça le problème, la solution. Et voilà. Parce que la porte, elle ferme pas en plus. Non. Mais c'est pour ça que j'ai... Ça ici! Son attachage serait son petit bras, puis là, les chars qui nous suivent, eux autres, ils savent qu'il y a un bébé dans la valise, pour faire attention. T'es-tu cave? Voyons donc! C'est sûr que je mets pas mon fils là! Hé là, c'est quoi? On a 3 minutes de char à faire, là. T'es-tu rendu aussi mou que ta blonde? Que ce soit 3 minutes, soit 30 secondes, c'est certain que mon fils rentre pas là-dedans. Et je voulais pas venir à ça. Mais t'es pas game. Non, 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 tu peux pas me faire ça. Parce que oui, moi. Ok, regarde. Si tu dis un mot à ma blonde, je brûle ta maison pendant que tu dors. I like it. Ah ouais. Ok. Ok. Ça va bien aller. Ça va être thriller! All right. Hey, le siège, il était-tu attaché dans la valise? Non, me semble que ouais. Fait que cette semaine, on est passé par toute une gamme d'émotions. Il y a eu la haine, l'amour, la tristesse, mais surtout l'amour. J'aimerais ça qu'à la maison, vous sortiez dehors pour trouver l'amour, vous aussi, si vous êtes seul en ce moment. J'aimerais ça que vous trouviez une place dans votre cœur aussi grande que la mienne pour accueillir un être aimé. On se revoit bientôt. Merci d'avoir été là. Délicieux, ça. C'est tough, hein? C'est beau. Tu peux-tu en avoir une gorgée? Non. On a juste une canette. Finalement, le bingo, vas-tu me payer? Ouais. Peut-être que tu te reviens la semaine prochaine pour checker quelque chose. Hein. Tu me dois 60$ aussi, hein? La semaine prochaine, semaine prochaine. Tu me laisseras ton numéro, m'a t'appeler. Tu me le dirais, hein, si t'étais pas confortable. Oh, non. Ah ouais. Ça, je me dis. C'est bien, là. T'as pas de mousse sur le ventre quand tu sens plus tes cuisses.